vous asseoir. La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargée d'énoncer les crimes de Louis Capet, tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau, tentative d'évasion, massacre du Champ de Mars. Après votre retour de Varennes, le sang des citoyens était versé au Champ de Mars. Une lettre prouve qu'il existait une conspiration criminelle entre vous et Lafayette. Qu'avez-vous à dire ? Je ne savais rien de cette malheureuse affaire du Champ de Mars. Quant à la lettre dont vous me parlez, je n'en ai pas eu connaissance. Mais elle est de votre main ? Je ne me souviens pas l'avoir écrite. C'est incroyable. Vos frères, ennemis de la nation, on rallie les émigrés sous leur drapeau. Ces émigrés-là font la guerre à la France. Vous ne les avez pas désavoués ? Mais si, monsieur. J'ai désavoué toutes les actions de mes frères aussitôt qu'elles ont été portées à ma connaissance. Après vous être d'abord assuré que vous ne feriez pas de tort à leur projet. Vous êtes libre de vos opinions. Alors là, l'exagère. Il est prouvé que vous avez appelé les régiments qui défendaient la patrie à déserter. Jamais, monsieur. Jamais. Vous avez opposé votre veto au décret contre les prêtres réfractaires. Comme la Constitution m'en donnait le droit. Pourquoi avoir fait doubler la garde suisse aux Tuileries au début du mois d'août ? Parce que le palais était menacé, j'étais une autorité constituée, il était de mon devoir de prendre des mesures défensives. Non, le 10 août, vous avez fait couler le sang des Français. Non, monsieur, ce n'est pas moi. Avez-vous fait construire une armoire avec une porte de fer aux Tuileries dans laquelle... Il sait que c'est sans espoir, mais il a du courage. Je n'en ai jamais su. Je l'admire. Avant que l'Assemblée ne rende son verdict, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? Oui, monsieur. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Mais ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé et d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Voilà, messieurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort dans les 24 heures. Vergniaud. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution. Lindet. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. Marat. La mort. Saint-Just. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Brissot. La mort. Avec sursis.
Robespierre. Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Ouais. Desmoulins. Je vote la mort. Danton. La mort.